Mbote mingi na balandi na biso banso ya tindika et pa wat bolandi biso partout vraiment dans le monde entier. Mbote na bino makasi parce qu'il y a vraiment des gens qui nous ont donné la confiance de nous suivre à temps réel. Vous êtes vraiment nombreux partout dans le monde entier. Il y a des gens qui nous suivent en Afrique, en Amérique, en Océanie, voire même dans la capitale. Et puis des gens qui sont à l'intérieur du pays, Togo, Saint-Binoté. Nous sommes tentés de compatir avec vous. Prévenez, il y a d'autres informations auto-révélées. Pour vous, le lenge Kanimboka à Congo, Isali Kotambola. C'est déjà votre procureur général près le peuple congolais, mais de l'UDPS, la personne qui défend la valeur, la philosophie et puis la doctrine. Donc, Togo, vraiment, Bambo Temakasi, sans oublier à la toute diaspora congolaise, au Balandarabiso, Banso, Bapesa Biso, confiance, Yarobeng Abiso, Yarokome, Abiso, sans oublier. Nos deux gérifins qui sont mais depuis Londres et puis son frère, Papi Kelina Kata à Londres, sans oublier ma maman Annie Moulamba, na Virginie aux États-Unis d'Amérique, maman Jackie Maquet Semponi na Colombe na France, et puis maman Emengo Manakati à France. Vous êtes vraiment nombreux. Mon numéro, c'est déjà plus 243-84-5-132-09. Plus 243-84-5-132-09. Le lotto reçoit un binôme, moi, ma immense, vraiment. Les alliés que la République démocratique du Congo, c'est là où vous allez comprendre comment est-ce que le président de la République est en train de prendre l'élan pour développer le pays, pour relever le défi de ce pays, pour faire en sorte que Mboka ezo na ba instance internationale, ba instance diplomatique pour voir Congo et yoko na monde entier, voire même dans la sous-région. Le lotto côté déjà na point Liboso to kota Sabino au eleka qui hier chez nous le président de la République, il a été décoré médaillé comme étant le vice président de la SADC. Et par là, nous pouvons dire ceci, ce n'est pas le président Tshisekedi qui a gagné, mais c'est du moins le Congo et les Congolais. Prévanez, vous avez vu pendant les 18 ans, pendant le règne de la Kabylie, pendant la gestion de la Kabylie, comment est-ce qu'on avait isolé le pays sur les instances internationales. Aujourd'hui, vous avez vu le président de la République, Kakatanga Otukozwa Kasket Kibokondi, il a été élu comme étant vice-président de l'Union africaine, deuxième vice-président de l'Union africaine, président de l'Union africaine. Aujourd'hui, il est le vice-président de la SADC. Déjà en 2022, il sera le président de la SADC. Et puis en 2023, il va animer la présidence de la SEEC, place où il a remplacé homologue Naé Denis Sassou Nguesso. Alors, c'est pour vous dire que non, il y a vraiment des avancées sur tous les plans. Et c'est par là que vous allez comprendre qu'il y a aussi un changement total depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance. Mais bon, moi, maintenant, comment est-ce qu'il y a des gens, des journalistes achetés clochards, des journalistes qui font la sous-traitance en voulant éternuer l'image du président de la République, en disant c'est comme si que le président n'a pas la volonté de aider la population congolaise, n'a pas la volonté de relever, voire même le défi social. Parce que nous savons qu'il y a des avancées sur tous les contextes. Il y a des avancées sur le contexte social, il y a des avancées sur le contexte juridique, il y a des avancées sur le contexte diplomatique. Il y a des avancées sur le contexte économique. Prévenez, vous avez vu aujourd'hui comment est-ce que Mokana Biso et Zongi n'a pas instance Nyonso. Prévenez, depuis la session du maréchal Mobutu, 32 ans et le 18 ans de Joseph Kabila, rien n'a été évolué. Mais aujourd'hui, nous avons un digne fils du pays. Nous avons l'enfant de Sphinx délimité. Nous avons un président qui est connu de son père et de sa mère, voire même de sa famille biologique, et nous sommes l'UDPS en sigle. Alors, prévenez maintenant, Togo Tali Sabino, blocage, il y a l'église catholique et puis il y a l'ECC par rapport à ma ponami, où il faut ça la manna 2023. Boko Kanisa que non, Mokondi n'avait pas la volonté d'organiser les élections. Parce que nous, l'UDPS, nous sommes déjà prêts pour aller aux élections. Et puis,
nous allons gagner ces élections haut la main. Mais récemment, nous avons tous écouté, entendu le meeting qu'a tenu, en fait, un point de presse qu'a tenu la Mouka El Martin Fayoulou avec Mouzitou, en disant que la personne qui a amené le tribalisme dans ces pays, c'est le président de la République. Non. Les personnes, ou soit les gens qui nous ont amené le tribalisme, ce sont les gens qui résident dans la Mouka. Et maintenant, quand je dis la Mouka, on voit directement les triumvirats de trois personnes. De Monseigneur Outembi qui anime la présidence de la CENCO, du secrétaire général Abbé Chole qui anime aussi la secrétaire de la CENCO, et puis du cardinal Ambongo qui engage l'église catholique. Parce que quelques prélats catholiques aussi sont contre les propos du cardinal Ambongo. Je vais vous le démontrer aujourd'hui. Alors, ce sont l'église catholique, après deux ou trois ans, on a eu ce pouvoir. Parce que ce n'est pas notre pouvoir, mais c'est le pouvoir du peuple congolais, puis le pouvoir de la population congolaise. Vous avez vu comment est-ce qu'ils avaient l'habitude d'envoyer ces journalistes dans des médias en disant que le président n'avait pas la volonté d'organiser les élections. Bref, vous avez vu les blocages qu'a eu pour Osama Lona, parce que le président avait refusé d'entériner, donc de ne pas entériner, mais de signer l'ordonnance, il y a prise d'acte, donc l'ordonnance, il y a investiture par rapport à Kibokondi, à Osama Lona. Mais c'était toujours l'église catholique qui avait bloqué. Bref, nous aussi, nous avons condamné comment est-ce que Mabunda, à l'époque, là, quand il animait la présidence de l'Assemblée nationale, elle s'est précipitée d'entériner sans pour autant être au consensus si Abatonio sautait. Mais alors, déjà à cette époque-là, l'église catholique, et puis l'ECC, Kakabangonde Balobaki, qu'il y avait déjà un détournement, il y avait aussi une tentative, il y avait autorité politique pour corrompre quelques confessions religieuses. Nous arrivons aujourd'hui, il y a crainte qu'on puisse avoir les élections en 2023. J'avais déjà expliqué, parce que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas encore eu le nouveau bureau de la CENI, il n'y a pas encore eu le nouveau membre de la plénière, et puis le nouveau membre qui va animer la secrétariat technique. Et preuve, il n'y a pas encore eu les kits électoraux, et puis voir même un nouveau majeur, oh, il faut pas s'enrôler. Alors, jusqu'à preuve de contraire, vous avez vu la bonne foi. Omokondi président, y ensemble Mboso, a eu au moins y a qu'au prolonger bas jour pour que zong sakaka bas confession religieuse na consensus. Mais tout le monde na katia Mbokao depuis que Kabila a dirigé le pays, on n'a jamais vu un AB à cette époque-là parce qu'il y a eu aussi plusieurs prisonniers politiques dans ces pays, comme de Franck Diongo, comme de Jean-Berthe Wanga, comme de Muyambo, comme de Jean Dominongo. Il y avait vraiment beaucoup de gens. On n'a jamais vu un AB à cette époque-là aller visiter ou soit au côté la bateau bakangamaka n'époque wana. C'est pour la rola qui s'abîme que ça monte mamabi. Alors l'église catholique travaille en collaboration avec les gens de la Mouka parce que aujourd'hui tous ces gens là bazapena représentants de force politique na bango, ils sont en train de soutenir parce que et leur problème c'est que non, le président quitte le pouvoir en 2023. Nous vous disons ceci, vous avez vu déjà tango Abbé Chole sale ba déclaration disait que nous allons envoyer une personne pour qu'on ait une crainte, il y a qu'on publie l'élection, pour qu'on facilite son alternance. C'est déjà un langage politique, c'est déjà un langage incendiaire. Parce que la Constitution de la République donne au président de la République le deux mandats, une seule fois renouvelable. Mais vous avez vu, les gens ont 40 000 smartphones. Il y a un poste à Batouana, il y a un poste à Prévané. Dans l'élection en 2018, vous avez vu Martin Fayoul lui-même avait dit que non, le 62% que Martin Fayoul est en train de se déambuler avec ça dans les sacs, pour lui, il disait que c'était la 50 de Yébisaraï qui a Zouara Mahambouana. Mais de l'autre côté, la loi interdit les observateurs de publier voix à bateau, ma compétiteur ou ma compétiteur qui n'a qu'à l'élection. Mais pourquoi pas, quand Martin Fayoul avait dit que non, c'était la 50, pourquoi pas la 50 avait porté plainte à Martin Fayoul? Parce que Fayoul l'avait dit ça en public. Et puis voir même la CENCO, c'est comme la CENCO n'avait pas habilité, n'avait pas qualité, compétence de publier ou soit de donner, de dire à Martin Fayoul qu'il avait eu 62%. Il fallait qu'il puisse répondre devant les instances judiciaires. Parce que nous avons déjà compris, ce n'est pas l'Église catholique, c'est le triumvirat de ces trois personnes-là. Les trois tribalistes, les trois personnes qui ont la mauvaise foi. C'est pour cela maintenant aujourd'hui, vous avez vu que non, comme le CID ne s'est pas préparé pour les élections, ne sont pas prêts pour les élections, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ils ne savent pas où aller. Ils restent dans des injures et puis dans des distractions. Parce qu'aujourd'hui, le CID n'est pas planté sur toute l'étendue de la République. Prévenez, vous avez vu notre
secrétaire général, Augustin Kabuya, qui a eu au moins le temps d'aller implanter, parce que nous sommes partout, sur toute l'étendue de la République, c'est là, prouvera en suffisance que nous sommes prêts pour les élections en 2023. Prévanez, il n'y a aucune personne qui peut compatir plutôt avec le président de la République. Même les gens qui sont dans les Lamouka, même les gens de Martin Fayulu, même les gens de Moïse Katumbi. Et puis, en fait, il y a eu d'autres informations. De l'autre côté, on nous a dit que non, Olive Lembe veut aussi compétir. Mais c'est de la sorcellerie. C'est une façon d'insulter la population congolaise. Parce que ce sont des gens-là qui ont détruit ces pays. Alors, volonté. Nous savons que non, ces pays, ils ont pour ça, ils ont un macambo. Ils ont pour ça, ils servir la population. Même dans le plan social, il y a déjà des avancées. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle le social? Aujourd'hui, il y a la gratuité. Il y a des avancées. Aujourd'hui, il y a la gratuité. Aujourd'hui, il n'y a plus fini les exilés politiques, les prisonniers politiques. Au moins, moto andi mako vivre na clandestinité, na propre volonté na ye, comme l'a fait Kikaya bin Karoubi. Mais ce matin, j'ai suivi Kikaya sur Top Congo en disant que non, il a préféré de rester en clandestinité. Pourquoi? Parce qu'il a fui la dictature de Tshisekedi, c'est de la sorcellerie encore pour la Union. Kikaya oublie que non, c'est Kabila qui nous a amené la dictature dans ce pays. C'est Kabila qui a violé les principes de la démocratie dans ce pays. C'est Kabila qui a limité la liberté d'expression. Parce qu'à cette époque-là, on ne peut jamais donner son avis propre aux états contraires. Il y a un monde qui va préférer qu'il y ait un exil. Mais l'exil, il y a un sous-souté. Vous avez vu, il y a un militaire fictif. Il y a un carré minière. Bref, vous avez vu un communiqué, il y a un récent, il y a un émission, tout ça, il y a un communiqué qui déjà. Mitindo naba opérateur minier expatrié bazonga baye ba moyen ya kozwa mikanda po ba banda kosala mosala bango na ndenge mibeko ya mboka esengi na pesa kibino na tel sa kibino ko mateske. Vous avez vu l'inspecteur général ya FARDC qui est allé faire l'inspection générale na kati ya FARDC, chose ko ezala ki lobité. Vous avez vu comment est-ce que nous avons mis KO la dynastie de Kabila. Nous avons destitué le bureau Mabunda par l'entreprise de Jean-Marc Kabunda Kabunda, que je salue en passant. Vous avez vu aujourd'hui comment est-ce que Moto Wakangami a répondre à Mibeko sans pour autant avoir une injonction ou soit mon conduit. Oyo, Aza Sikoyo, après ça va ordre. Donc il y a vraiment des avancées. Et puis nous allons continuer avec ce combat, même si tu sais qu'il n'est plus aujourd'hui au pouvoir. Parce que nous défendons nation, nous défendons pays, nous défendons principe, nous défendons la constitution. Parce que les individus passent au nom de la continuité de l'État. C'est pour cela que vous avez vu. Aujourd'hui, Mokonzi Yamboka, Oyobatouba détestaka, Oyobatouba Lobaki, c'est un incompétent, Oyobatouba Lobaki, il pousse son amateurisme. Aujourd'hui, président de la République, aujourd'hui, en 2018, président de la République, parce que déjà en 2016 ou 2017, il était le président de la dynamique de l'opposition, président de la République, premier vice-président de l'Union africaine, deuxième vice-président de l'Union africaine, président de l'Union africaine, Lolo Bomoni, vice-président de la SADC, 2022, président de la SADC. Ce n'est pas l'individu, soit ce n'est pas l'IDPS qui a gagné. Mais dis-moi, c'est le Congo et les Congolais. Parce que l'histoire va retenir que non, il y avait un président, Oyakana Kibokondi, Oyazongsa Kimboko, n'a pas instance diplomatique et puis international, parce que Mboke Zalaki isolé. Lelo Oyo, tant que Mokonda Kenda na 54e session extraordinaire à les Nations Unies, Oya plaidaki na Nations Unies en disant que comment est-ce que Bolubi que tu as pays, il y a membre des Nations Unies, mais Bisso, tu se représentes à Katé na Kati, il y a bateau ba siège à na Kati, ça va décider à monde. Tout le monde aura noir en Afrique, et l'unique que le baquet aux Anabino. Mbote mingi na balandi na biso banso ya tindika et pa wat bolandi biso partout vraiment dans le monde entier. Mbote na bino makasi parce qu'il y a vraiment des gens qui nous ont donné la confiance de nous suivre à temps réel. Vous êtes vraiment nombreux partout dans le monde entier. Il y a des gens qui nous suivent en Afrique, en Amérique, en Océanie, voire même dans la capitale. Et puis des gens qui sont à l'intérieur du pays, Togo San Binote. Nous sommes tentés de compatir avec vous. Prévenez. Il y a d'autres informations auto-révélées. Pour vous, le Lengue Kanimboka Congo, ils allaient au Tambola. C'est déjà votre procureur général prêt
le peuple congolais, mais de l'UDPS, la personne qui défend la valeur, la philosophie et puis la doctrine. Donc, tu peux vraiment bambo te makasi, sans oublier à la toute diaspora congolaise au Balandarabiso, ben banso ba pesa biso confiance, ya ko benga biso ko komela biso sans oublier nos deux gérifins qui sont mais depuis Londres et puis son frère Papi Kelly na kata Londres, sans oublier ma maman Annie Mulamba na Virginie aux États-Unis d'Amérique, maman Jackie Maquet Simponi na Colombe na France et puis maman Emengo Manakati ya France. Vous êtes vraiment nombreux. Mon numéro c'est déjà plus 243 84 5 1 32 09, plus 243 84 5 1 32 09. Le lot reçoit un bino moi ma immense vraiment les alliés que le Canada République démocratique du Congo. C'est là où vous allez comprendre comment est-ce que le président de la République est en train de prendre l'élan pour développer le pays, pour relever le défi de ce pays, pour faire en sorte que Mboka ezo on a ba instance internationale, ba instance diplomatique pour voir le Congo et yoko na monde entier, voire même na sous-région. Le lot côté déjà na point à liboso to kota lisabino. Oh, il est cas qu'hier chez nous, le président de la République, il a été décoré, médaillé comme étant le vice-président de la SADC. Et par là, nous pouvons dire ceci, ce n'est pas le président Tshisekedi qui a gagné, mais c'est du moins le Congo et les Congolais. Prévanez, vous avez vu pendant les 18 ans, pendant le règne de la Kabylie, pendant la gestion de la Kabylie, comment est-ce qu'on avait isolé le pays sur les instances internationales. Aujourd'hui, vous avez vu le président de la République, il a été élu comme étant vice-président de l'Union africaine, deuxième vice-président de l'Union africaine, président de l'Union africaine. Aujourd'hui, il est le vice-président de la SADC. Déjà en 2022, il sera le président de la SADC. Et puis en 2023, il va animer la présidence de la SADC, place où il va remplacer homologue Naé Denis Sassou Nguesso. Alors, c'est pour vous dire que non, il y a vraiment des avancées sur tous les plans. Et c'est par là que vous allez comprendre qu'il y a aussi un changement total depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance. Mais bon, moi, maintenant, comment est-ce qu'il y a des gens, des journalistes achetés clochards, des journalistes qui font la sous-traitance en voulant éternuer l'image du président de la République, en disant que c'est comme si le président n'a pas la volonté d'aider la population congolaise, n'a pas la volonté de relever, voire même le défi social. Parce que nous savons qu'il y a des avancées sur tous les contextes. Il y a des avancées sur le contexte social, il y a des avancées sur le contexte juridique, il y a des avancées sur le contexte diplomatique, il y a des avancées sur le contexte économique. Prévanez, vous avez vu aujourd'hui comment est-ce que Mboka na biso ezongi na ba instance nyonso. Prévanez, depuis la cession du maréchal Mobutu, 32 ans et les 18 ans de Joseph Kabila, rien n'a été évolué. Mais aujourd'hui, nous avons un digne fils du pays, nous avons l'enfant de Sphinx délimité, nous avons un président qui est connu de son père et de sa mère, voire même de sa famille biologique, et nous sommes l'UDPS en sigle. Alors, prévenez maintenant, pour que tel Isabino, blocage, il y a l'Église catholique, et puis il y a l'ECC, par rapport à ma ponami, où il faut ça, maintenant, 2023. Beaucoup de candidats, non, Mokondi n'avait pas la volonté d'organiser les élections, parce que nous, l'UDPS, nous sommes déjà prêts pour aller aux élections. Et puis, nous allons gagner ces élections haut la main. Mais récemment, nous avons tous écouté, entendu le meeting qu'a tenu, en fait, un point de presse qu'a tenu la Mouka El Martin Fayoulou avec Mouzitou, en disant que la personne qui a amené le tribalisme dans ce pays, c'est le président de la République. Non. Les personnes, ou soit les gens qui nous ont amené le tribalisme, ce sont les gens qui résident dans la Mouka. Et maintenant, quand je dis la Mouka, on voit directement les triumvirats de trois personnes. De Monseigneur Outembi qui anime la présidence de la CENCO, du secrétaire général Abbé Chole, qui anime aussi la secrétaire de la CENCO, et puis du cardinal Ambongo, qui engage l'Église catholique, parce qu'il y a une manière pacifique et puis démocratique, sans encore les figer Makila et Tanga. Oui, parce que nous sommes un parti à non-violence, nous sommes un parti à démocratie, nous sommes un parti à lutte contre l'anti-valère, lutte contre le détournement, la corruption, la malversation financière. Yango Omoni Lelo, Bisso, Télémi pour nous alerter la communauté internationale qui est nationale et qui non. Mokondi Mboka a la bonne volonté. Vous avez vu, il est en train de céder à Mbile. Prévenez. Bon, mon an a noté qu'un Congolais allait compatir ou soit que ça la compétition dans le secrétaire exécutif Yassadek Nebassala qui n'a pas l'objet pas François Long, même si à Zuté, mais il n'y a pas l'accès à que Congo et une instance diplomatique. Le lot voit la vision que vous avez sous région. Le lot va Congo, mais nous avons en Afrique, nous avons une fierté dans le Bango.
yango komba na biso yango nde to bundaka yango nde zalaka etumba na biso yango nde zalaka ke poto sala makambo esimba eleka na lo le olenge o biso to bundela ka pona mboka o nous avons sacrifié notre jeunesse aujourd'hui on ne peut jamais accepter parce que on a vite compris que non les confessions religieuses sont mis politisées à la place de dépolitiser la CENI il faut commencer d'abord à dépolitiser l'église catholique et puis laisser l'église à Christ au Congo jusqu'à preuve de compter il y a les blocages. Mais s'il y a le blocage, c'est l'Église catholique qui va porter le chapeau, qui portera la casquette. Bah, on ne va pas faire un combat. Parce qu'on ne peut jamais accepter que moto aya koloba que non, mon conduisant, que ça n'a volontaire, y'a que ça la ma ponamité, bande konangaï. Bon, moi, je suis un peu de ma ponamité. Tant que tu as un peu de recensement, y'a que ça n'a pas de ponamité sans recensement. Bah, le bâti, il est pèse à ça que banga ma ponomie. Le lot, tu as un peu de recensement. Tu es si bango. Et à la recensement, nous sommes prêts pour les élections. Vous avez vu, personne n'en parle. Personne ne dit mot. Au lieu de comme bouche bée. Personne ne vive mot. C'est pour vous dire que non. UDPS, Bissonnet Ozala qui est bien préparé pour gérer ce pays. Bissonnet Ozala qui est bien préparé pour soutenir cette population, pour relever le défi, pour faire en sorte que le Loma Kambo Ezonga Nanzela. Lelo makambo nyoso bato bazelaka lelo makambo nyoso nzala ya ba kongomani nous savons encore voire même avec le prix à ba denrées alimentaires voire même avec le prix à ba produits à ba surgérés mais on a eu l'information que non l'égal est en train de refuser de signer l'accord nous demandons au président de la République il a tous ces pouvoirs là qu'on puisse nationaliser toutes les sociétés à égal parce que le sol et le sous-sol appartient à l'État congolais prévenu où est-ce qu'ils ont eu cet argent pour construire ma fameuse société, il y a beaucoup de bateau. Mais les gens vont venir vous dire que non, Olive avait la bonne foi, il y a beaucoup de bateau, avait la bonne foi, il y a aider la population congolaise. Mais vous avez vu jusqu'à preuve contraire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé voir même les avions, Jean-Pierre Bemba Bachena Kingakati. Ils ont volé voir même tous les animaux que, quand nous grandissons, nous avons vivé dans la zone, les lobes ont été Kingakati. Il y a un autre qui a dit que nous finissons avec les étrangers au sommet de l'État. On n'a pas encore oublié avec les lois Tchani. Il y a des gens qui nous ont appelés. On n'a pas encore oublié. Il y a beaucoup de dossiers. Nous sommes d'abord prêts pour aller aux élections. Pour vous démontrer que nous allons encore gagner les élections haut la main. Parce que nous avons la légitimité populaire. Et puis, nous avons la population derrière nous qui nous accompagne. Le soutien. Parce que la démocratie, l'article 5 parle de la souveraineté de l'État. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Il y a un mot qui est là. Batoué Bélo, vous avez critiqué. Traiter le président comme étant une marionnette, pantin, protocolaire, collabo, c'est Martin Fallou qui dirige. Aujourd'hui, personne ne parle. Aujourd'hui, personne ne dit mot. C'est pour vous dire que notre élite, c'était de déboulonner le système politique installé par la Kabylie, installé par les caciques du FCC, installé par la dynastie Kabila, de bloquer les institutions, de faire que les institutions soient redevables dans la population. Alors, les institutions sont redevables dans la population. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au pouvoir. Tu peux si régime à séparation et à pouvoir. Donc, pouvoir, ils ont arrêté pouvoir. Aujourd'hui, le président ne peut pas aller sur Miguel Makamoutali à l'Assemblée nationale. Mais hier, ce n'était pas le cas. Hier, il y avait des gens qui peuvent se réveiller un bon matin, prendre d'autres décisions, sans pour autant consulter les élus, sans pour autant, et les Canada Instance Moussoussou, le lobe comprendre comment est-ce que. Ma cambozoni nanzela, le lo beauté à démocratie, le lo ma cambo komi kitoko. Mais nous demandons ceci, le président de la République, il faut qu'on puisse aller vite de nommer quelques administrateurs de ma service de sécurité, quelques autorités à ma deuxième direction générale, il y a migration pour savoir comment est-ce que Batouana, Bazali Kokima et Bomboka. Parce que Bissot Ozali n'a pas ça à Baya, va répondre, quand le roi va Kika et Bin Karoubi, Batambo Mwamba, ba José Makila. Kalev Mutombe, John Numbi, tous ces gens qui ont fait couler, tous ces gens qui ont tué leurs propres frères congolais pour les intérêts étrangers, pour les intérêts ya bato o baboma kimboka. Yango comprenez Bissot comme étant le leader de masse, le leader d'opinion, nous sommes prêts. C'était ça le message que j'avais vraiment voulu lancer aujourd'hui à toute la communauté internationale, voire même les gens qui nous suivent dans les pays. Il y a aussi des gens qui sont à l'intérieur du pays qui au moins nous a donné la confiance, qui au moins nous soutient, qui au moins nous incite toujours au travail de vous dire que non, nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous sommes prêts et puis nous, l'UDPS, nous sommes en train de se préparer.
pour doter maintenant au président de la République la majorité. Oui, pour faciliter ce qu'on dit. À ça, là, le lingue vision des zones qui sont en train de se faire. Il y a une église catholique, quelques triumvirats, il y a une mouté mamabe, il y a kaniaka. Oh, il y a incapable, il y a une démontrer corruption. Parce que quand il y a une question commis devant bureau, il y a une assemblée nationale, il y a une 13, il y a corruption, il y a détournement. Oh, il y a une autorité politique, il y a corrompre quelques confesseurs religieux. Donc, nous ne comprenons pas. Et puis, bah, prêtre, bah, comme il y a le kouta, bah, ça, il y a un zambé, bah, ça, censé à côté, il y a le bah, un zambé, bah, ça, censé à côté, sangui, ça, biso, bah, ça, censé à côté, il y a biso, ma kambou, ya kitoko, le lo, bah, moko, bah, bungi, nanzela, le lo, bah, moko, bah, bungi, na ma kambou, na bango, bah, bungi, na miso, et ça, bah, ya bango, bah, zo, comprenne, le soutien, ma kambou, ça, la, envoûtement, et zui, bango. Parce que, bango, candidat, na bango, et ça, Martin Fayulu. Donc, ça, candidat, bah, ça, na posé, à bazongi, ça, et, mais, tu, biso, bango, même si vous mettez en bongo, à la CENU, nous allons gagner ces élections. Vous allez payer monter maïmalamo parce qu'on ne peut jamais accepter. Nous avons fait 37 ans dans l'opposition. Les lots, tout ça la demande. Non, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie purement. Parce que les lots, bah tout bas sur comment on a qui nous conduit. On a qui nous conduit. Oh, bah comment on est basé là pendant beaucoup de années. C'est pour cela nous vous disons ceci. Tout ce qui se passe, parce que c'était le deuxième point, j'allais chuter. Tout ce qui se passe entre Tony Mwaba. Et le chef, il y a service à UGF, Gilles Alinghetti. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas aussi un quelconque détournement, ou soit une tentative de détournement. Parce que j'avais déjà expliqué, une tentative, ou soit un prétendu détournement, et ça, que non, Moutazou, déjà, Mbongoana, il fallait que ça, la mission, la Tindiango, la mission, Moussousou. Parce que jusqu'à preuve de compter, Mbongoana, on peut dire, on a banque. C'est ça. Alors, il y avait un problème, il y a compréhension. De l'autre côté, Gilles Alinghetti a demandé que Mbongo ait une banque pour la traçabilité. De l'autre côté, le patron de l'EPST, Tony Mwaba, que je salue, aussi en passant avec un grand travail, qui est aussi tenté de dire que non, il y a 1000 euros Moussousou. Il y a 5 fois Moussousou, il y a une banque qui est allée. Donc, il y a un mois où Bekokoso, il y a un Moussousou, pour que ça soit retrait, il y a un frais, ou soit un dépôt, ou soit un fonds de compte. Parce que tout va se réveiller à nous, il va se réveiller à nous, en athée. Donc, c'est juste un problème, il y a compréhension. Il n'y a pas eu un détournement. Tous les médias de la haine, tous les journalistes clochards sous-traitants, au bon niveau désinformé, au bon niveau éternu, image, il y a un ministre, au bon niveau le bakeno, image, il y a Mukondi. Toye Bissibino, que notre Tony Mwaba, nous le connaissons bien. C'est le gardien de la gratuité de l'enseignement. Il ne peut jamais accepter aujourd'hui d'oser pour détourner Mbongo. Il y a un enseignant, il y a un surveillant. Parce que Tony Mwaba, si la révélation, et belé la makambo, et bomba maka. Na Katia ministère, il y a eu peste. Vous avez vu, il y a eu vraiment beaucoup d'avancées. Il y a eu vraiment beaucoup de makambebele. Oh, il y a eu batouba, il y a eu mais bon, Monique et makambo, ils ont mis en zéla. Le lobo comprendre que non, il y a eu vrai batopé. Il y a monté ma malamou, au bataki n'a pas ça qu'au soumamboka. Parce que tous ces gens qu'on a connus dans ces pays, ils ont la kabato, il y a monté ma mabe, bato, il y a eu ba détruire, ba yiba, ba tika passi, tu évites, ba n'a pas tika la banana, ba mboka, ou wapi. Donc c'était ça ce que j'avais voulu vraiment aujourd'hui de vous faire voir. C'était votre procureur général près le peuple congolais, maire de l'UDPS, la personne qui défend la valeur, la philosophie et puis la doctrine. Donc vous avez vraiment et bien partagez la vidéo. Bon ben la biso, s'il y a des questions, nous allons vous répondre au moment opportun. Beaucoup mais la biso. Donc vous êtes vraiment nombreux bato bolanda qui biso. Yango le lot ceux qui si ah ouais yango tout ben qui bino na conscience. Le on est dans la carrière moins éveil patriotique. Yako tali sabino que non qu'il lui plaît ou qu'il ne je me connais yako relever des défis. Pour na bino bato banso besoin na poto. Boya et belébo investir. Nambo kanabino sans pour autant besoin na crainte. Tout ça la institution forte, économie forte pour lobby. Tout ce que la baï au bako yana simana biso mboka elamo sous l'impulsion de son excellence. Pelu sa toi c'est que du tulombo. Donc vous avez qui vraiment belé belé bolanda qui biso toute la diaspora congolaise. Donc mon numéro c'est +243 84 5 1 32 09. Donc tu peux déjà mboté na papa Emile sur na carte ya France, tu peux si mboté makasi na papa Timothée Moussou na Allemagne, papa Dieudonné Mbia na Allemagne, papa Jean Marie Tubang na carte ya France, sans oublier Bozaki vraiment ebele sans oublier notre papa Sam na carte ya New York. Sans oublier notre papa Adolphe Nakati à Ottawa, au Canada, maman Merveille Nakati à Toronto, vous êtes vraiment ébélé, mon papa, Béra depuis Angleterre,
vous avez vraiment ébélé, mon vieux Vidal Matumona na kati Angleterre. Donc vous avez vraiment ébélé, partager la vidéo. C'était ça ce que j'avais voulu aujourd'hui vous faire voir. Donc mobilisons-nous comme un seul peuple, une seule armée, un seul commandant suprême qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Je dis et je vous remercie. La preuve, 5 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, au Royal Unique Shop Congolais de Londres, na Grande-Bretagne, au Royal Londres, et Zalikosa, la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 c'est créé Elton Store et Zalikakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'occupe dans la cliente. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à mi Eden Store. Oh, yes! Mon cri, mon bimbe, yébam! Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Yassolom, produits originaux. Et yes, les alipes berceaux, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. C'est créé à solo, où il y a pour à maman moi c'est qui toko. Pour à moi ce penza basali koloula. Pour à moi ce mobala kota la ya lembate. Pour ce kotamboli, ma sangasima. Eh oui, yango ne va produire ce terrain à Katia Eden Store. Là, produit alimentaire, où il y a Eden Store, yango ne secret à cuisine à maman congolaise. Eh oui, nous ce qu'on se pensa mobali na yoezali. Pondou, matembele, ngaï ngaï. Ndole, Fumboa, Ndunda, Bilemwe, Oyo Nyonso Penza, Oye Kobonga pour la cuisine na Wesali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasa zali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabilo kono sotela kayo na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.